Bonjour à tous. Donc, je suis Philippe Nocquero et je suis Master Black Belt chez Baxalta. Et ça fait à peu près 20 ans que je suis dans l'industrie pharma. Je vais vous présenter déjà Baxter avec un petit changement depuis cette année. Baxter est une entreprise pharmaceutique qui était spécialisée dans tout ce qui est nutrition parentérale et toutes les médications qui sont plus issues du plasma humain. Et depuis cette année, il y a eu une scission de l'entreprise avec le cœur de l'activité qui reste Medical Product, qui est tout ce qui est nutrition parentérale et les thérapies rénales, et Baxalta, qui est plus axé sur les traitements qui sont pour les hémophiles, l'oncologie, à partir du plasma humain, et également aussi par des modifications génétiques. Donc moi, j'appartiens à cette entité. Je vais vous donner un peu le contexte du projet pour que ça soit un peu plus compréhensif. C'est un projet qui vient de l'usine de Neuchâtel en Suisse, parce que je travaille sur trois pays, la Belgique, la Suisse et l'Italie. Et c'est un nouveau produit qui est lancé pour traiter une forme d'hémophilie typique qui est la déficience en facteur Willebrand. C'est un facteur, donc l'hémophilie, vous savez peut-être ce que c'est quand on a un défaut de coagulation et on ne peut plus coaguler. Donc ce facteur-là, qui est une forme d'hémophilie, parce qu'il y a plein de sortes d'hémophilie, certaines personnes ont une certaine déficience, et ce facteur permet en fait à faire l'hémostase. Il permet à ce que les plaquettes se fixent sur le vaisseau, et également permet à ce que le facteur 7, qui est un des facteurs majeur de la coagulation, permet de faire, on appelait ça l'hémostase, et permet de boucher en fait le vaisseau. Donc c'est un nouveau médicament qui va être lancé, qui est en cours de lancement, qui traite une forme d'hémophilie pour l'instant qui n'était pas traitée. Comment ça marche? On part d'une modification de l'ADN. Donc c'est une modification sur les cellules rénales du hamster qui a été fait. On a introduit le gène qui permet de produire la protéine, qui est le facteur de Willebrand. Il faut voir que ce sont des petites fioles qui arrivent des États-Unis avec des cellules qu'on va faire fermenter et se développer dans des cuves, des bioréacteurs de 3000 litres. Une fois que la cellule se développe, à un moment donné, elle va remplir petit à petit la cuve, il va falloir la récolter. Et c'est là où elle va fabriquer, parce qu'elle a une modification génétique, elle va fabriquer le facteur de Willebrand. Il va falloir le récupérer. Mais ce facteur de Willebrand, en fait, il est mélangé entre les produits de nutrition qui ont permis de faire développer la cellule, les cellules, tout ça, c'est un mélange. Donc, il y aura des étapes de purification pour, à partir de ces 3000 litres, pour obtenir un facteur de Willebrand vraiment pur. Donc, il y a toutes des étapes de purification. Ce sont des colonnes de chromatographie avec une première étape qui va être l'élimination de l'ADN, c'est-à-dire de la cellule qui s'est multipliée. Une autre colonne qu'on appelle la CAT qui va permettre d'éliminer tout ce qui est viral. Et une dernière qui va permettre de concentrer le facteur de Willebrand. Donc, c'est tout le process. Ce process a été développé, ça fait plusieurs années. Il est en phase d'industrialisation. Et on a rencontré une problématique, c'est que comme dans tous les problèmes de scale-up, en fait, on est parti sur des petites colonnes chromatographiques qui étaient dans un laboratoire de recherche à une étape industrielle. Donc ça ne se comporte pas toujours de la même façon. Une des problématiques, c'est de pouvoir reproduire en fait ce qui a été fait au niveau de la recherche et au niveau industriel, et de pouvoir être capable au final d'avoir un produit qui soit conforme, c'est-à-dire le facteur de Willebrand. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce sont toutes les étapes de préparation des colonnes. Et un des Y majeurs, un des deux Y, on appelle ça la hauteur équivalente à un plateau, bon, c'est un des Y de sortie qui donne la qualité en fait de la filtration, et un autre, c'est la symétrie du pic. Ces deux Y sont communs à toutes les trois colonnes, plus des X qui vont modifier en fait cette sortie des Y. Comment on a fait? En premier, il y avait quand même une certaine expérience de ces colonnes sur le site de Neuchâtel en Suisse. On a organisé un brainstorming pour essayer d'identifier en fait les paramètres qui vont influencer
la qualité du produit. La deuxième étape qui est super importante chaque fois qu'on fait des plans d'expérience, c'est d'être sûr de la mesure. Parce que si vous avez trop de variabilité sur votre mesure, vous n'allez pas pouvoir faire la corrélation entre les X et vos Y. Donc faire un gauge ERR sur vos Y. Après, ça a été de sélectionner le meilleur outil. Donc ça pourrait être, on était parti sur des plans d'expérience au début, au moins sur les deux premières colonnes. Puis, une fois qu'on a déterminé en fait la stratégie de savoir quels sont les X qu'on va mettre dans notre plan d'expérience et être sûr de la qualité de son Y, c'est d'essayer de faire, d'être sûr qu'on n'a pas d'autres variabilités. Et ça, c'est super important quand vous faites un plan d'expérience, et d'essayer d'éliminer au maximum votre bruit de fond. Tout le bruit de fond qui peut venir sur la variabilité que vous pouvez avoir au travers des runs, et la variabilité aussi au cours du temps et liée aux techniciens. Donc on a fait un protocole d'essai qui soit bien détaillé, et on a formé les techniciens pour être sûr que la façon dont ils vont packer ces colonnes va être reproductible. On a exécuté les plans d'expérience, et là, les deux premières colonnes se sont bien passées, tellement bien passées que la production était tellement contente qu'elle s'est dit, on n'a pas besoin de plan d'expérience pour la troisième, on va le faire comme on veut. Le problème, c'est que ça ne s'est pas bien passé, et en fait, au lieu de faire le nombre de... Au lieu d'avoir structuré les essais suivant un plan d'expérience pour pouvoir l'analyser, ils sont partis comme ça, la fleur au fusil, et en fait, c'était interprétable. Donc, le troisième colonne, on l'a fait en régression multiple, et c'est là où on a pu s'en sortir, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un équilibrage comme un plan d'expérience. Et la suite de la présentation va être essentiellement sur ça, sur la régression. Donc ça, c'est vite fait, en fait, ce sont les plans d'expérience qu'on a utilisés. Donc avec, vous voyez, c'était 8 expériences. Parce qu'il y avait un impératif qui était le temps, parce qu'on avait une forte pression des affaires réglementaires pour lancer au plus vite ce produit. Donc il fallait qu'on ait les données les plus rapidement possible et qu'on valide en fait ces étapes de packing des colonnes. Ça veut dire qu'on avait un temps restreint, et puis ça coûte très cher. Les résines coûtent très cher, le temps de les packer, ça prend du temps. Et on en a 3, et à chaque fois qu'on fait un run, ça veut dire qu'on perd du facteur de vie librante. Et le gramme de facteur de vie librante est vraiment très cher. Donc on avait une contrainte de temps, une contrainte de coût. Donc c'est pour ça qu'on était parti pour optimiser sur 8 expériences. Donc ça a très bien marché pour les deux premières colonnes SEC et TMC, avec des résultats qui étaient conformes. Et un des facteurs majeurs qui influençait la réponse, avec des R-square ajustés qui n'étaient pas trop mauvais. Et après, par la suite, on s'est aperçu que finalement, le plan d'expérience était bon parce que les premiers runs de production étaient bons. On n'avait pas de problème de lacofit, d'adhésion de qualité en fait de la prédiction et du modèle. Et également, on avait... Voilà, donc essentiellement, c'était assez bon. On a eu les mêmes résultats. Donc ça, c'est l'analyse en fait d'un mini-tab au niveau des résidus. Donc vous voyez que les résidus suivent à peu près la loi normale. Bon, vous allez me dire qu'il n'y a pas beaucoup de points, il y en a 8, mais on n'avait pas trop de soucis. Et on avait utilisé l'optimisation qui est l'outil en fait indispensable qu'on fait de plan d'expérience pour optimiser la réponse. Maintenant, comme je vous ai dit, donc la production était tellement contente en fait des résultats, elle s'est dit à quoi ça sert de le faire de façon structurée. Ma troisième colonne, je vais la faire comme je le veux, comme je le sens. Et ouais, en fait, ils sont arrivés, au lieu de faire 8 essais, on est arrivé à 19 essais. Donc on a perdu du temps, et au final, les données n'étaient pas du tout interprétables, parce que le plan n'était pas du tout équilibré. Donc il a fallu trouver une astuce pour en tirer le maximum, même si ce n'était pas sur structuré. Et on est passé par la régression multiple. Surtout que la régression multiple d'un Minitab 17 a beaucoup avancé. C'est vraiment chouette maintenant. Vous l'avez sur le format. Vous pouvez l'utiliser. C'est un peu structuré comme le plan d'expérience. Donc on a repris les 19 essais qui avaient été faits
avec toujours nos deux Y, on avait quatre X, c'est-à-dire les paramètres qui peuvent influencer en fait les réponses, qui sont l'HTTP et la symétrie. Et quand on a commencé à dérouler les premières analyses, on s'est aperçu qu'on avait des problèmes de corrélation entre les facteurs. Je reviens à ce niveau-là. En fait, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire des plans d'expérience ou des régressions multiples. Un des points qu'on vérifie, c'est les vifs. Il ne faut pas que les facteurs soient corrélés entre eux, sinon ça fausse le modèle. Et quand on a commencé à analyser, on avait tous ces vifs qui étaient aux alentours de 15, 20, 100 en valeur. Ça n'allait pas du tout. Donc là, j'ai appelé Samy, qui m'a aidé. Et il m'a... Il y a une, je ne sais pas si c'est nouveau, c'est mis dans la régression multiple de la version 17, mais oui, on a une possibilité en fait de faire l'analyse en backward et de pour réduire en fait les facteurs qui est la collinéarité, dans la multicollinéarité des facteurs, on peut avoir demander à Minitab de soustraire la moyenne et de diviser par l'écart type. Ce qui permet en fait d'éviter ce problème-là. Ce qui a très bien marché. Mais du coup, avec cette... Autant au début, on avait des problèmes sur les vifs, mais on avait des R-square qui étaient élevés et on n'avait pas de problème d'adhésion, de la cofite d'adhésion au plan. Une fois qu'on a fait cette méthode-là, bon, on n'avait plus de problème de collinéarité des facteurs. Mais on avait un problème au niveau de l'adhésion, au niveau de l'adhérence, du moins de la qualité du plan. Mais on a toujours eu des bons R-square. Donc c'est un peu la sortie, c'est la partie de Minitab. Donc on avait, en faisant cette méthodologie, on a pu avoir des vifs qui étaient bons, parce qu'aux alentours de 5. On a un R-square qui est assez bon. Vous voyez, les trois R-square sont assez rapprochés. Ça veut dire qu'en termes de prédiction, on a 62%. Ce qui n'était pas trop mal, parce que malgré tout, dans ces étapes de production, on a quand même de la variabilité. Donc, on n'attendait pas à avoir des R-square qui soient très élevés. Donc, ça nous satisfaisait beaucoup. La problématique venait qu'on a un manque d'ajustement. Donc, on a essayé beaucoup, on travaille beaucoup avec Samy pour essayer de voir quelles étaient les solutions, et on n'est pas arrivé non plus à optimiser les trois niveaux, c'est-à-dire d'avoir un R-square élevé, de ne pas avoir des vifs, et de ne pas avoir un problème sur l'ajustement. Donc on est parti sur le fait qu'on pouvait accepter cette problématique-là. Je vais passer. Maintenant l'analyse graphique, donc ça revient par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que bon, les données, il y a beaucoup de données, mais c'est difficile un peu à les interpréter. Et l'analyse graphique est très bien faite dans Minitab. Donc il y a un des... c'est comme dans les DOI maintenant, c'est l'avantage de Minitab 17 pour la régression, c'est qu'on peut analyser les effets principaux au niveau graphique. Et la problématique, je sais pas, vous vous souvenez qu'on a deux Y en fait. On doit optimiser la symétrie des colonnes et on doit optimiser aussi l'HTTP. Le problème, c'est que les facteurs qui influencent les deux Y, c'est-à-dire l'HTTP et puis la symétrie, varient complètement dans des sens opposés. C'est-à-dire que pour avoir une asymétrie proche de 1 et augmenter l'HTTP, le premier facteur qui s'appelle CF, le deuxième HPU et le troisième Cond, vous voyez, il faudrait pour avoir une bonne asymétrie augmenter le facteur CF, augmenter HPU et augmenter Cond. Et pour avoir une bonne HTTP, il faut, à l'inverse, tout diminuer. Donc ça, c'est une problématique parce qu'on a les facteurs. Il faut qu'on ait ces deux Y sur ces colonnes-là qui soient bons. Et on a des facteurs qui réagissent totalement dans le sens contraire. On le voit aussi graphiquement là. Là, il faut le monter. Et celui-là, il faut le descendre. L'HPU, là, il faut le descendre. Et là, il faut le monter. Donc maintenant, comment faire? Parce qu'il faut trouver l'optimum. Et ça aussi, c'est une avancée au niveau de la régression multiple dans Minitab. Ah oui, déjà, trouver l'optimum. C'est qu'avec des réponses divergentes, on peut utiliser l'optimisation de la réponse de façon indépendante. Je vais optimiser en fait mon premier Y
Un Minitab va vous dire les réglages qui sont à ce niveau-là, c'est-à-dire un réglage qui doit se situer pour la HPU aux alentours de 1, de 15 au niveau du Condi et de 1,19 pour CF. Et si je mets les mêmes paramètres à ce niveau-là, l'optimisation, je ne peux pas le faire parce que, en fait, c'est très difficile de le faire l'un après l'autre quand on a deux Y. Donc l'avantage maintenant d'un Minitab 17, c'est qu'on peut utiliser un peu comme dans le DUI, c'est-à-dire d'utiliser l'optimisation des réponses avec, en même temps, en optimisant. L'outil permet d'optimiser le premier Y, qui est la symétrie, et l'HETP. Sachant que le plus important dans ce type, dans le package de ces colonnes de chromatographie, le plus important, c'est d'avoir une asymétrie des plateaux qui soit égale à 1, tout en optimisant l'HETP. Donc on peut très bien également mettre un poids plus important sur les Y asymétrie. L'utilisation de cet outil d'optimisation de réponse nous a permis de façon rapide, en fait, de déterminer quel était le réglage optimum en permettant d'avoir, en maximisant en fait les deux réponses. Donc on arrive à avoir une asymétrie qui soit très proche de 1, on est à 0,94, et également avoir une HETP qui est très élevée, 3200, qui est largement élevée par rapport aux autres produits qu'on a sur le site et aux autres colonnes. Donc finalement on est arrivé malgré tout à rattraper la problématique qu'on a vue. Le fait qu'ils étaient lancés comme ça, sans structurer les essais, on a pu les interpréter et obtenir des bons résultats. Maintenant, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on peut représenter. Il y a des personnes qui aiment bien les chiffres, des personnes qui aiment bien ces graphes, et d'autres qui ont une représentation, ils ont besoin d'avoir une représentation plus graphique. On peut très bien le représenter de façon graphique également. On pourrait le représenter en trois dimensions, mais moi, personnellement, c'est trop difficile. Je n'ai pas de vision en 3D. Je préfère une représentation à plat. Donc ça, c'est une représentation à plat en permettant... Donc on représente en fait les deux sorties, les deux Y qu'on veut optimiser, l'HETP et puis la symétrie. Et c'est cette zone blanche qui est la zone dans laquelle on peut naviguer. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire... On a fixé quand même, parce que la production, vous voulez fixer le facteur Cond à 15, parce que ça les intéressait de fixer ce facteur à 15. Et on a vu en fait les plages de réglage qu'on pouvait avoir sur les facteurs HPU et CF. Donc le facteur CF pouvait varier entre 1,12 et 1,18, vous voyez, et quand on se trouve à peu près là, le facteur HPU peut varier de 1 à 1,4. Donc c'est une autre représentation graphique qui est des fois très visuelle parce qu'on sait que notre zone en fait se trouve à ce niveau-là. Donc on a choisi de se mettre dans le petit angle là, parce que vous allez me dire pourquoi on ne s'est pas mis au milieu. Tout simplement parce que pour des raisons techniques et pratiques pour la production préférait avoir des valeurs qui soient situées, des valeurs de CF assez élevées, et des valeurs d'HPU qui soient plus basses. Donc ils ont préféré se situer à ce niveau-là. Donc ce projet s'est fini en février de cette année. Ils ont eu donc l'approbation au niveau FDA pour produire ce nouveau facteur, ce nouveau médicament pour les hémophiles. Il n'est pas encore commercialisé, on est en train de faire les runs les premiers runs, et les premiers résultats sont vraiment très bons pour ces colonnes. Parce qu'on est vraiment... Malgré qu'on ait eu des R-squares qui sont aux alentours de 60%, on a vraiment des résultats qui sont très conformes. Et on est en train de songer maintenant de reproduire toute cette expérience, parce que ça c'est un nouveau produit transfert. Les autres produits ont été lancés il y a une dizaine d'années et n'ont pas fait cette étude statistique sur les colonnes. Donc les autres produits qu'on produit donc à Neuchâtel, on va reproduire également cette méthodologie pour essayer d'optimiser les colonnes qui sont déjà en cours pour avoir de meilleurs résultats. Voilà. Je sais pas si vous avez... Merci. J'espère que c'était pas trop technique. Vous avez pu suivre. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci pour votre présentation. C'était super intéressant. J'ai vu comment vous avez vu la carte de surface. Alors celui-là, il s'utilise en fait, c'est le graphe de surface, le contour plot, qui est sur une seule... sur un seul Y en fait.
Dès qu'on passe à 2Y, Samy, dites-moi, mais cette représentation n'est plus possible. Et quand on va optimiser en fait les 2Y en même temps, alors c'est bien d'avoir cette représentation un Y après l'autre, et puis, mais après on est obligé de passer sur le nouveau contour plot qui est à ce niveau-là, celui-là, celui que je vous ai fait voir, celui-là. J'ai une question justement, vous êtes sur la diapositive qui m'a un peu posé. Je vais anticiper. Ah. Comme vous venez de Perchamps, vous aimez bien les chiffres. C'est ça. Il y a un peu ça, et c'est surtout ce qui m'a dérangé un peu, c'est sur le fait que finalement vous essayez d'améliorer votre ajustement du modèle. Voilà. Vous rendez compte que en fait vous aviez des variables qui étaient autocorrélées. Donc vous bouclez un peu finalement, enfin difficile d'avoir un ajustement optimal quand finalement on s'aperçoit que certains facteurs sont corrélés. Alors moi je me suis posé la question justement, mais le bruit là-dedans, c'est-à-dire sur vos 19 essais qui ont été faits un peu n'importe comment, ou en fait voilà. Pas structuré, excusez-moi. Désolé. N'importe comment, non, je pense que... Oui, tout à fait, oui, mauvais terme de ma part, désolé. Il y a dû avoir quand même justement une influence du bruit qui n'était pas maîtrisée, puisque finalement, ils n'étaient pas structurés. Comment vous avez réussi à évaluer l'influence du bruit externe, c'est-à-dire les paramètres qui n'avaient pas été maîtrisés, au moment du dépouillement du plan? Ok. Je ne sais pas si on peut faire voir les données, mais bon... On a éliminé beaucoup plus de runs que ça. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il y avait des runs qui n'étaient pas du tout exploitables. Déjà, ça, c'est un bruit qu'on a enlevé. En plus, quand on a analysé, l'analyse des résidus nous a permis aussi de mettre en évidence qu'il y avait des runs qui étaient vraiment, vraiment différents des autres et qu'il y avait des écarts types, du moins, quand on fait l'analyse des résidus, dès que c'est au-delà de 3 ou de 2, on se dit qu'il y a quelque chose. Justement, c'est un peu de graphe qui me manquait, c'est-à-dire que souvent, juste après ça, on fait une analyse des valeurs résiduelles. C'est ça. On essaye de déterminer des schémas types pour pouvoir invalider ou valider certaines expériences. C'est ça qui m'a un peu manqué. Non, en fait, j'ai pas voulu parce que. Entre le moment où l'expérience, toutes les séries d'expériences ont terminé et puis la fin de l'analyse, il s'est écoulé, on a fait, je sais pas, on a passé beaucoup de temps. Passé beaucoup de temps parce que autant les DOI, c'était bien, ça a été allé rapide parce qu'on analyse ça en quelques heures, ça va vite. Quand on a des problèmes comme ça, en fait, il faut refaire revenir sur le terrain, questionner les gens pour savoir ce qu'ils ont fait, parce qu'on a des runs qui n'ont pas tourné. Pourquoi il n'a pas tourné? Pourquoi ils donnent des valeurs aberrantes? Ah, parce qu'on a eu un technicien qui n'avait pas été formé, qui n'avait pas compris. Ainsi de suite. Donc, vous voyez d'ailleurs, dans le titre en haut, HTP, donc ça c'est Without Outlier. C'est-à-dire que, en fait, le résultat final que vous voyez là, c'est un résultat qui a été traité, retraité. On a enlevé pas mal de runs qui n'étaient pas bons et qui ne voulaient rien dire. Et malgré ça, on avait, on avait quand même des R-squares qui étaient bons. Pour nous, ça, au niveau industriel, c'était bon parce qu'en fait, on ne peut jamais reproduire ce qui est dans un labo au niveau industriel, il a trop de variabilité. Parce que même si les équipements sont de bons équipements, il y a quand même la variabilité. Parce qu'une des étapes, c'est de mettre les résines à l'intérieur des colonnes. Et si l'opérateur, c'est très opérateur dépendant. Mais ce qui nous a été réconforté, je ne voyais pas les chiffres, mais en fait, de temps en temps, quand vous faites ce type d'analyse, notamment sur les DOI, quand vous pouvez avoir des R-squares qui sont très élevés, mais un prédictif qui est très, très mauvais. Et c'est là où vous pouvez vous poser la question sur la qualité du modèle. Certes, on a beaucoup de bruits de fond qui ne sont pas expliqués, 40%, mais quoique en industriel, ça peut être acceptable. Mais ce qui nous a réconforté, c'est que ces trois valeurs de R-square, qui soient le R-square normal ajusté et puis le prédictif, sont assez proches. Ce qui donne aussi une certaine qualité au modèle et une certaine sécurité. Et ça, c'est, du moins, avec les runs qu'on a fait par la suite de performance, les lots, on s'est aperçu que les résultats étaient très bons. Donc, il n'y a pas eu de souci.
bonjour à tous. Bonjour. Quand j'ai vu le titre déjà au départ, je m'attendais à une comparaison entre les plans d'expérience et la régression. Parce que dans les bouquins, notamment ceux de Maurice Fillet que les gens de l'UT Éducation connaissent, on dirait que vous avez commencé sur un plan d'expérience et que vous avez terminé par une petite ampoule sur la régression. J'ai pas compris en fait le lien entre les deux. Je m'attendais plus à on a utilisé les plans d'expérience, on a utilisé la régression, et est-ce que les deux sont dans les mêmes résultats ou pas du tout? On a un nouveau process, un process qui vient de la recherche, qui a été développé dans un petit laboratoire, qui est à une échelle à peu près un dixième. On doit faire le scale-up, c'est-à-dire qu'on doit faire ça dans une usine qui est beaucoup plus grande, avec des colonnes. Ça, ce sont des colonnes qui sont, au lieu d'avoir des colonnes de 20 cm, ça va être des colonnes de plusieurs mètres. Pas de plusieurs mètres, mais au moins d'un mètre, un mètre à deux mètres. Donc les paramètres de réglage de ces colonnes sont totalement différents. Pas totalement différents, mais ne sont pas équivalents. C'est-à-dire que l'objectif de ça, c'était de se dire, ces colonnes, on va les remplir de résines qui vont purifier notre produit. Une des résines, ce sont des résines qui ont des anticorps, qui vont fixer en fait notre protéine, et après il va falloir la faire détacher de la colonne. Tout ça, ce sont des réglages qui sont fins, très fins, avec plusieurs réglages. On sait très bien, par expérience, qu'on connaît les corrélations ou les liens forts entre les X et les Y, c'est-à-dire entre le réglage de la colonne et la purification. Ce qu'on a essayé de mettre en place, c'était d'optimiser en fait ces réglages pour chaque colonne, pour essayer d'avoir des réglages qui soient fiables, les plus proches possibles de ce qu'on attend et répétables. Donc on s'était lancé dans une stratégie de plan d'expérience. La qualité en fait des modèles, qu'elles soient faites au travers d'un plan d'expérience, et ça je vais demander à Samy peut-être, ou d'une régression multiple, c'est la même qualité. Parce qu'il y a des plans d'expérience qui utilisent aussi la méthodologie de la régression multiple, donc c'est la même qualité. La seule différence en fait, c'est que c'est une entourloupe, je ne sais plus, ou une... je dirais plutôt une alternative à un moment donné, parce que tout ne se déroule pas comme vous le souhaitez dans l'industrie. Et à un moment donné, vous devez avoir, et c'est l'avantage en fait de ces outils statistiques, c'est que vous n'avez pas qu'une seule stratégie. Déjà, il faut définir quelle est la stratégie. La stratégie, c'est d'optimiser le moins de runs possible en garantissant le meilleur résultat. Et à un moment donné, on peut rebondir quand il se passe quelque chose, on peut rebondir sur des outils. Je sens que Samy veut parler. Merci. Merci. C'est juste pour compléter en fait ce que disait Philippe. Effectivement, là, le but, c'est pas de dire que la régression va remplacer le plan d'expérience ou le plan d'expérience va remplacer la régression. Ce sont deux outils qui sont complémentaires et qui peuvent être utilisés dans le cadre d'un même projet ou de manière distincte. La difficulté en fait que Philippe a rencontrée au cours de ce projet-là ou que les équipes de Philippe ont rencontré, c'est tout simplement qu'ils étaient partis au départ sur des plans d'expérience qu'ils ont su exploiter correctement donc jusqu'au bout. Et la troisième fois, donc pour analyser la dernière partie, l'idée au départ, c'était de ne plus suivre la démarche du plan d'expérience qui était de structurer les essais. En fait, la différence entre un plan d'expérience, c'est que vous avez une contrainte sur le nombre d'essais par rapport à du temps, à des coûts, à quelques contraintes que ce soit. Alors que la régression, vous pouvez très bien prendre une base de données dans laquelle vous avez des données historiques, les utiliser, les exploiter pour construire un modèle. Ou alors, vous pouvez aussi suivre une approche qui consiste à prendre des mesures sur votre procédé de manière pas forcément structurée. Donc l'analyse de régression vous permettra d'analyser les données de cette façon-là. Ça ne veut pas dire pour autant que le modèle sera meilleur ou moins bon. C'est que le plan d'expérience vous donne des contraintes supplémentaires par rapport à l'analyse. Par exemple, si on reprend le plan qui avait été construit au départ, c'était 8 essais. Avec 3 facteurs, donc ça veut dire que chaque facteur avait 2 niveaux, donc 8 essais au total. Donc 2 niveaux, ça veut dire que je mesure chaque facteur à un niveau minimum, à un niveau maximum. Donc ça, c'est une des contraintes du plan d'expérience. Après, il y a aussi des plans d'expérience qui existent, et on pourrait parler de ça très longtemps, mais pour faire bref, il y a des plans d'expérience qui existent qui permettent de gérer plus de niveaux pour un même facteur. Mais la régression, elle est moins restrictive à ce niveau-là. Donc ça permet ici d'avoir l'alternative de pouvoir analyser les données sur la base donc initiale d'un, on va dire entre guillemets, un plan d'expérience qui n'a pas pu être déroulé de la bonne façon ou par rapport aux contraintes pratiques et physiques du procédé et qui a quand même pu être exploité au final pour arriver à trouver une modélisation qui fonctionne et à effectuer une optimisation qui fonctionne aussi.
Alors après, la différence, c'est que dans les versions antérieures de Minitab, on pouvait le faire, ça, malgré tout. Transformer, en fait, l'analyse de régression, du moins l'analyse de plan d'expérience qui n'a pas fonctionné, en analyse de régression, mais ça nécessitait des manipulations supplémentaires de la part d'utilisateurs, alors qui n'est pas forcément évident à connaître au départ. Par contre, aujourd'hui, avec la dernière version de Minitab, c'est quelque chose qu'on rend plus facile, plus accessible. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez utiliser alternativement la démarche du plan d'expérience ou les fonctions de régression qui vont exploiter les mêmes outils pour modéliser, pour rechercher les solutions optimales et pour arriver à trouver une solution qui fonctionne. Donc on a essayé d'homogénéiser un petit peu les outils de régression et de plan d'expérience pour permettre justement de faire la bascule plus facilement. Donc c'était ça l'intérêt de cette présentation aussi, de montrer qu'on est parti sur l'idée de faire du plan d'expérience et qu'au final, pour X raisons, ça n'a pas marché. Donc on a pu rebasculer assez facilement sur la régression pour arriver à modéliser ce procédé. Donc voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ce que disait Philippe tout à l'heure. Merci. Je suis Nicole Berti, je travaille aussi dans le domaine médical, donc dans le diagnostic. Enfin, j'ai deux questions. La première, c'est comment vous êtes assuré de ne pas avoir un facteur extérieur qui aurait eu une influence et que vous n'auriez pas vu en utilisant la régression optique. Parce que ça, c'est une de mes angoisses à chaque fois par rapport au plan d'expérience, c'est finalement de dire, et s'il y avait un autre facteur, je le verrais moins bien en régression multiple. Enfin, je crois que je l'avais moins bien en relation. Je ne suis pas sûr. Alors, première, déjà, par rapport à la première question, quand vous faites en fait un plan d'expérience, je vais partir sur le plan d'expérience. Quand vous faites un plan d'expérience, vous ne pouvez pas mettre tous vos facteurs. C'est-à-dire, normalement, vous faites un brainstorming avec les équipes de production ou de recherche qui vont vous lister tous vos facteurs qui peuvent influencer votre réponse. Mais si vous voulez mettre tous ces facteurs-là, vous allez avoir un plan d'expérience qui va avoir des runs, du moins un nombre de runs qui va être trop, trop important. Donc il faut trouver une autre solution pour essayer, et pas, ce n'est pas une solution vraiment très scientifique, mais pour essayer de faire un ranking en fait, des paramètres qui sont les plus influents. Et ça, vous pouvez le faire par votre expérience, vous pouvez faire une matrice de décision, mettre d'autres, pour essayer de lister en fait vos paramètres qui sont les plus influents et de vous limiter à ceux que vous allez mettre dans votre plan d'expérience. Vous commencez comme ça. Quand vous faites votre plan d'expérience, si votre bruit est trop important, si vous avez un R-square qui n'est pas assez bon, dans ce cas-là, vous pouvez exploiter les premiers runs de votre plan d'expérience et en rajoutant, vous pouvez essayer de reconstruire un autre plan d'expérience qui va s'emboîter ou pas dans l'ancien, en rajoutant des nouveaux paramètres, parce que vous devez toujours, pour optimiser les coûts, il faut quand même exploiter les premiers runs qui ont été faits. Et petit à petit, comme ça, si vous voyez que votre R-square n'est pas bon, vous allez du moins augmenter votre modèle. Un autre point aussi qui est très important, par expérience, c'est qu'il faut essayer d'éliminer le plus possible le bruit de fond. Le bruit de fond est très important quand vous faites des runs, surtout sur de l'industriel. C'est-à-dire qu'il faut essayer que vos expériences soient déroulées dans un temps qui soit assez proche, toujours avec les mêmes opérateurs, que certains réglages soient figés, parce que vous ne voulez pas les bouger, que les opérateurs soient bien formés, qu'ils savent exactement ce qu'ils doivent faire dans un certain délai. Et ça, c'est limite beaucoup le bruit de fond. Et vous pouvez aussi également, dans d'autres, vous avez des paramètres que vous ne pouvez pas maîtriser, mais que vous pouvez enregistrer. Et ces paramètres qui sont les covariances, c'est ça ? Les covariables, pardon. Les covariables. Les paramètres de covariables, par exemple des températures dans un atelier ou de l'humidité dans un atelier, sont des paramètres, des données continues, mais que vous ne pouvez pas forcément maîtriser. Mais vous allez quand même les enregistrer pour les mettre aussi dans votre plan, ce qui va diminuer aussi votre bruit de fond. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Quand vous avez fait la troisième colonne, vous avez utilisé la régression de type après coup. Oui. Donc tous ces éléments-là, vous ne les aviez pas. Vous êtes assuré que, admettons, la température ou l'opérateur n'avait pas eu un effet sur la réponse. Non, parce qu'en fait, ils ont quand même. C'était peut-être pas clair mes explications. C'est que même s'ils n'ont pas structuré en fait même s'ils n'ont pas structuré leur démarche avec des essais qui étaient bien équilibrés, ils ont quand même utilisé les X qui avaient été déterminés au début par le brainstorming, qui était équivalent sur les trois colonnes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis de zéro, ils n'ont pas fait des essais n'importe comment, malgré tout.
Ils ont fait des essais, qu'ils ont un peu bougé entre-temps, ils se sont aperçus qu'il y en avait certains qui n'ont pas marché, donc ils ont bougé, ils en ont refait d'autres, et ainsi de suite. Mais ils ne sont pas partis de zéro. J'ai deux questions. La première, oui. Sur, c'est ce que j'ai appelé mon expérience, les effets d'interaction. Est-ce que, néanmoins, sur le premier plan, vous avez pu mettre en évidence, je crois qu'il y a une interaction qui semble être significative. Est-ce que les collègues de production ont été attirés par ça? Parce que souvent, on a tendance à vouloir travailler sur un effet et sur l'autre, hein, sur faire qu'un réglage. Et l'intérêt des plans, c'est justement de mettre en évidence qu'il faut avoir des interactions. Faire accepter les plans d'expérience en termes de manipulation, le fait de mettre en évidence des interactions qui finalement ne sont peut-être pas visibles quand on analyse un petit peu tout à fait. De manière différente. Mais la première leçon de moi tiré par la production, c'est de suivre nos recommandations et de structurer. Parce que là, s'ils avaient suivi nos recommandations, ils seraient partis sur UTC. Exactement, c'est ça. Donc, une progression plus de plan en total essai. Je pense que vous êtes largement au-dessus des 8. Avec 19 essais, on aurait fait un super plan d'expérience. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Mais malgré tout, on s'en sort pas trop mal parce qu'on a pu analyser. Les interactions sont Oui. Dans les process industriels, quand il y a des problèmes, tout le monde pense que c'est un facteur, une matière première, non. Un paramètre, mais c'est une multitude qui, quelque part, vous amène dans un coin. Vous voyez que là, les facteurs, en fait, les facteurs sont quadratiques à ce niveau-là. Donc, il y avait quand même... Ah oui, c'était positif. Non, mais ce qui a été le plus positif, malgré tout, c'est que ça a mis en évidence que de structurer les plans d'expérience, d'utiliser la méthodologie plan d'expérience, ça permet d'optimiser le temps, le coût. Donc ça, c'est un premier point. C'est que on a fini en fait ces essais qui étaient sur le chemin critique pour la FDA pour avoir l'approbation. On a fini ces essais dans les temps, donc ça c'était bon et qu'on a pu commencer en fait nos essais de production, nos premiers runs de production. Après la mise en évidence, c'est sûr que ce type de colonne est utilisé depuis une dizaine d'années, même s'il y a des évolutions. Et il y a toujours des experts qui savent malgré tout. Je veux dire dans tout et c'est tant mieux. Il y a toujours des experts. Mais malgré tout, ils ne savent pas tout. Et le fait de structurer des essais comme ça, ça leur augmente leur connaissance et met en évidence d'autres interactions qu'ils ne peuvent pas voir. On va prendre la dernière question et ensuite je vous invite à aller voir Philippe pour voir les questions, si vous avez d'autres questions. Parce que ça vient ensuite d'enchaîner une présentation sur la régression. Je pense qu'on se fera plus pour plus parler en détail, mais c'était pour intervenir par rapport à la demande de la dame tout à l'heure. Pour le bruit, ce qu'on peut faire, le bruit qui est lié à l'opérateur, normalement, c'est mis en évidence par le Gage Arena. C'est une analyse du système de mesure, c'est pas que l'équipement qu'on va analyser. Il faut faire attention, c'est que le Gage se fait sur la mesure de la sortie. C'est-à-dire sur la symétrie de l'HETP. Madame parle du bruit qui est lié au bruit de fond, qui est lié au déroulement des essais. C'est-à-dire c'est différent. C'est que le gauge ne va pas mettre en évidence ce bruit de fond. L'opérateur fait l'essai. Donc le système de mesure, quand on prend trois opérateurs pour répéter les mesures trois fois, c'est pour éliminer l'influence de cet opérateur-là. Après, quand il s'agit du bruit, quand il parle de bruit, moi j'ai en tête les bruits liés à la température qui est variable, qu'on ne peut pas maîtriser si ce n'est pas un laboratoire comme vous dites, ou un environnement industriel. Je vais revenir sur la présentation de ce matin parce qu'il y a une chose qui m'a beaucoup plu, c'est le KISS. Ça, c'est super important. Il faut faire simple. Parce que vous débutez, mais il faut faire simple. Là. C'est-à-dire que le plus simple, en fait, pour éliminer le bruit, franchement, c'est pas de faire d'autres plans, c'est de bien encadrer la variabilité et être reproductible et répétable. Bien former les opérateurs, communiquer et essayer de structurer pour avoir des meilleurs résultats. Franchement, c'est le mieux à faire. Vraiment simple. Ce sera ma recommandation. Il y avait monsieur qui avait une question. Pierre Chagnon de Solvay. Pour le troisième, on va dire le troisième plan quand même, qui avait une structure pas idéale, pourquoi ne pas tenter avec la régression PLS, qui elle s'affranchit complètement de la multicolinéarité. Écoutez, vu que je ne connais pas la régression PLS, je vais sortir mon joker Samy.
Je pense qu'il connaît. Merci. Effectivement, ça peut être une solution. Donc après, je vais au risque de répéter Philippe encore une fois et ce qu'ont dit les personnes précédemment. Le but, c'était aussi de rester dans un outil plus simple, on va dire. Effectivement, il y a d'autres alternatives. Alors après, ça va dépendre de ce que l'on veut faire et jusqu'où on veut aller aussi en termes de modélisation. Donc après, nous, on s'est affranchi de ce modèle-là par rapport aux attentes qui étaient celles-là au niveau industriel. Mais c'est une possibilité qu'on a aussi en plus. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut faire. Comme pour répondre aux deux questions qu'il y a là, on peut utiliser des plans Taguchi pour aller plus loin pour évaluer le bruit aussi. Donc ça peut être une alternative aussi. Mais après, ça dépend des contraintes que vous avez aussi, bien entendu. Donc c'est une possibilité. Je ne dirais pas que ça ne s'adapte pas dans ce cas présent. Mais on avait cette option-là de travailler avec les VIF. Donc on n'a pas eu la possibilité d'avoir tout en même temps. Mais on va dire qu'on s'est satisfait de ce compromis-là. Après, ça peut toujours être discutable, ça peut toujours être amélioré. C'est le principe de l'analyse de données. Et c'est la recherche aussi du meilleur compromis possible par rapport, d'une part, à l'analyse statistique pertinente, mais en même temps par rapport au contexte physique. Je pense que vous le savez très, très, très bien là-dessus. Voilà. Alors, je sais pas si, donc, on a dit qu'on arrêtait là pour les questions. Donc, si effectivement il y a d'autres questions pendant les pauses, vous pouvez voir Philippe ou si je peux vous aider également, ce sera avec plaisir. Merci. Merci. Pour ma part, vu le temps qui me reste, je ne vais pas me lancer dans une présentation en tant que telle, mais je vais juste prendre ces quelques minutes pour revenir sur deux, trois choses que l'on a évoquées au cours de cette présentation pour compléter par rapport à l'utilisation des outils dans Minita, parce qu'effectivement, peut-être que parmi vous, il y en a, et je sais que le public, je vais peut-être poser, je ne sais pas si vous m'entendrez mieux comme ça, non ? Non, non, c'est mieux comme ça, alors je reste comme ça, d'accord. Donc, par rapport à l'audience que j'ai en face de moi aujourd'hui, effectivement, il y a des personnes qui sont, on va dire, de tous les niveaux, au niveau statistique, donc ça part un petit peu à tous les niveaux. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est simplement évoquer les différentes possibilités que vous avez par rapport à l'analyse qui a suivi. Alors, par rapport à l'analyse de régression, alors, je vais juste prendre un petit fichier de données qui me permettra d'exploiter en fait les outils. Donc je prends juste un petit exemple, pas très compliqué, c'est juste pour permettre d'illustrer un petit peu les deux, trois points que je voulais aborder. Donc là, j'ai un petit exemple de données dans lequel j'ai, on va dire, les quatre premières colonnes qui représentent quatre variables X, d'accord, je vais les appeler comme ça, et puis ma variable Y. Donc là, on est dans du données continue. Et puis le but, c'est de modéliser en fait cette réponse Y en fonction de ces quatre X. Donc effectivement, on peut passer par de la régression à travers ce type de données. Donc ce qui m'intéressait moi dans un premier temps, c'est dans la partie régression. Et ça, c'est effectivement ce qu'on a modifié dans la version 17 pour rendre ces outils-là plus conviviales. C'est la régression multiple qui permet de suivre un petit peu la même démarche et je dirais le même ordre et étape que l'on suit dans les plans d'expérience. D'accord. Vous voyez, dans la démarche que je vais avoir ici, je vais retrouver, donc d'abord, la première idée, c'est d'ajuster le modèle, donc de définir quelles sont les variables que je mets en jeu par rapport à mon Y. Une fois que j'ai défini mon modèle, je vais devoir le valider, bien sûr, comme l'a évoqué Philippe tout à l'heure par rapport aux résidus. Une fois que je valide mon modèle, je vais devoir ensuite utiliser des diagrammes divers qui vont me permettre de travailler sur la notion de trouver une solution optimale. D'accord. Donc pour cela, il y a tout un ensemble d'outils graphiques qui sont à votre disposition. Donc après, effectivement, on peut en utiliser un certain nombre. Il y a des préférences aussi par rapport à chacun d'entre vous. Mais ce sont des outils que l'on retrouve aussi via le menu plan d'expérience quand on a une démarche un peu plus structurée. Et on voit bien qu'on retrouve ici la même idée qui consiste à créer le plan, analyser le plan pour définir un modèle et ensuite utiliser les outils graphiques pour arriver à visualiser là où les solutions optimales. Donc par rapport à cette analyse-là, il y a une chose qu'on a modifiée dans cette version 17, c'est la façon de construire le modèle, qu'on a essayé de simplifier davantage parce qu'il fallait quand même
comprendre comment cela fonctionnait dans les versions antérieures, donc ça fonctionne tout aussi bien, mais il fallait par exemple comprendre que chaque prédicteur continu se définit d'une certaine façon, chaque prédicteur de catégorie se définit d'une autre façon. Donc là maintenant ça a été bien dissocié ici et établi de façon bien claire. Donc là imaginons que je sélectionne ici mes différents X à mettre en jeu par rapport à cette variable Y. Dans la façon de construire le modèle, auparavant, il fallait, par exemple, mettre le symbole multiplié pour construire les interactions et les définir dans le modèle. Ça, c'est quelque chose que l'on a simplifié dans l'interface, puisque maintenant, vous avez la possibilité, en cliquant sur le bouton modèle, de spécifier votre modèle beaucoup plus simplement. À savoir, par défaut, les termes dans le modèle vont apparaître ici, et ensuite, il suffit simplement de sélectionner les éléments qui nous intéressent pour ajouter soit interaction, donc d'ordre 2, d'ordre 3, etc., soit des termes quadratiques, par exemple, voire cubiques, si jamais on a besoin d'aller jusque-là. Donc ici, si je m'amuse à sélectionner les différents prédicteurs et que je veux faire intervenir et tester les interactions, par exemple, 2 à 2 de ces paramètres dans mon modèle, c'est possible en sélectionnant ici interaction jusqu'à l'ordre 2 et en cliquant sur ajouter. Donc voilà comment je peux construire assez facilement mon modèle et tester les différents éléments qui m'intéressent pour déterminer leur impact sur la réponse et arriver par la suite à choisir le meilleur modèle possible. Alors, il y a aussi dans cet outil des procédures qui vont vous aider dans le choix des X, puisque notamment, on l'a vu avec tout à l'heure Philippe, quand il y a des X qui sont fortement corrélés, donc on parle de multicollinéarité entre les X, qui ne facilite pas forcément le choix du meilleur modèle possible. Donc par conséquent, je peux choisir les termes candidats ici à sélectionner et à tester dans mon modèle. Alors je ne vais pas en mettre une multitude, mais on pourrait par exemple ajouter les termes quadratiques, etc. Et dans le bouton pas à pas, je peux accéder à une procédure, donc soit je le fais manuellement, ça prend un peu plus de temps, mais ça se fait tout aussi bien, où donc, je compare les différents modèles et je vais choisir celui qui m'intéresse, soit je peux utiliser de façon additionnelle la méthode pas à pas, qui va me permettre, en sélectionnant les termes qui sont ici, qui sont issus du modèle sélectionné précédemment, d'arriver à identifier par cette procédure pas à pas, qui tient compte justement de la multicollinéarité entre les X, quels sont les termes candidats que je pourrais potentiellement retenir au final. D'accord ? Et à partir de là, ça va m'aider à choisir la bonne combinaison des différents paramètres, des différentes interactions qui rentrent en jeu dans le modèle. Alors, quand on fait du plan d'expérience, on va dire que sous réserve qu'on ait suffisamment d'essais pour tester l'ensemble des termes dans le modèle, on peut le faire très facilement, plus facilement en tout cas, parce qu'il y a une notion d'orthogonalité qui intervient souvent dans les plans d'expérience. Je ne dirais pas que c'est la règle, mais on essaie d'utiliser des plans orthogonaux. Alors, parfois, on n'est pas dans le contexte du plan orthogonal, et cette fonction, elle est également accessible dans les plans d'expérience pour permettre de faire cette sélection-là du modèle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a modifié pour visualiser, pour permettre de sélectionner et d'apporter une aide dans la sélection du modèle, quand on doit faire ce travail-là. Donc après, on va choisir effectivement de définir un niveau de sélection du modèle de façon statistique. Alors, une fois que vous choisissez votre méthode pas à pas, vous pouvez donc définir votre modèle. Bon, je ne vais pas passer les données à la moulinette ici pour tout traiter, tout analyser, mais après, la deuxième chose dont je voulais parler aussi, c'était l'aspect donc, de normalisation des prédicteurs, donc des X. C'est-à-dire, quand tout à l'heure Philippe évoquait la question de... On avait des VIF, donc des facteurs d'inflation de la variance très élevés, qui indiquent donc la présence d'une multicollinéarité, c'est-à-dire entre les X, il y a des corrélations, et ça nous gêne dans l'évaluation de ces différents coefficients associés à chacun de ces X, parce qu'ils ne sont pas forcément stables, et que d'un échantillon à l'autre, ils peuvent varier, d'accord, dans notre process. Donc l'idée, c'est, si jamais on est confronté à cette problématique, on a, avec le bouton codage, la possibilité de faire un choix par rapport à la méthode de normalisation de ces prédicteurs. Donc, par exemple, nous, ici, on avait utilisé la méthode qui consistait à soustraire la moyenne et à diviser par l'écart type. Donc, c'est ce qui avait été fait dans l'exemple précédent. Donc, ça, c'est un choix que vous avez qui permet de revenir sur, on va dire, c'est comme si on faisait un changement d'échelle pour permettre d'éliminer cette multicollinéarité et qui permet ensuite d'identifier, peut-être de façon un peu plus facile, entre guillemets, les prédicteurs qui vont être influents sur la réponse. Donc ça va être l'intérêt de la démarche. Et cet outil, donc, il est incorporé dans cette partie modélisation. Donc ça, c'est un point qui peut être intéressant à utiliser dans le cas où vous allez avoir ces facteurs d'inflation de la variance qui apparaissent comme étant trop importants par rapport
aux différentes variables qui sont en jeu. Et bien entendu, les facteurs d'inflation de la variance, c'est quelque chose qu'on avait disponible dans les versions antérieures, mais il fallait choisir une option pour les afficher. Là, on a pris la décision de les faire apparaître et qu'ils soient plus visibles pour qu'on puisse les utiliser aussi dans l'exploitation des résultats et dans l'interprétation des résultats, puisque c'est une aide supplémentaire que vous pouvez exploiter et utiliser également. Donc ça, c'est une deuxième chose. Alors, on peut choisir la méthode et à partir de là, bien entendu, dans une des slides que Philippe a montré tout à l'heure, il y avait la possibilité, alors je le fais ici simplement, même si dans le cadre de cet exemple, il n'y en a pas forcément besoin, mais juste pour montrer où est-ce que ça va se trouver dans les résultats, vous voyez, vous allez retrouver une ligne ici qui vous dit, voilà la méthode de normalisation qui a été utilisée. Donc, si jamais j'utilise cette méthode-là, on va avoir une indication sur les différentes moyennes utilisées pour chaque facteur et leur écart type, et vous avez un rappel de la méthode utilisée. Comme ça, ça vous permet de l'identifier et de voir que ça a bien été pris en compte dans le cadre de votre modélisation, par exemple. Alors ensuite, il y a également, puisque ça permet de répondre, on va dire, entre guillemets, à des personnes qui connaissent déjà Minitab, qui l'utilisent de façon plus ou moins régulière et qui connaissent bien ces outils, mais il y a aussi des personnes parmi vous, certainement, qui n'utilisent pas du tout Minitab ou qui découvrent et qui veulent faire, par exemple, une modélisation. Donc vous avez dans Minitab, via le menu assistant, la régression multiple qui a été également rajoutée dans cette version 17 pour vous aider justement dans cette démarche. Donc on a rajouté cette partie régression multiple qui permet de prendre en charge justement plusieurs X. Alors il y a une limitation volontaire de notre part et délibérée de limiter le nombre de X que vous allez prendre en compte dans le modèle. Pourquoi ? Parce que l'assistant, c'est pour vous aider, on va dire, à utiliser Minitab, prendre en main Minitab par rapport à différents outils, mais jusqu'à un certain point. À partir de là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cadre de l'outil précédent, vous pouvez utiliser beaucoup plus de variables, ça ne pose aucun problème. Par contre, dans l'assistant, on a volontairement limité le choix des X à 5 maximum. D'accord ? Parce que c'est une version simplifiée de l'outil et pour vous permettre aussi de dire, voilà, on peut faire de la modélisation, voilà comment on procède. Après, si on veut aller plus loin, il faut aussi avoir, je dirais, des connaissances un peu plus importantes pour y arriver et pour aller plus loin aussi. Donc, on a les outils pour le faire, mais on va dire que c'est un premier pas qu'on peut aborder avec cet outil-là. Alors, simplement, si je sélectionne mes différentes variables, donc je sélectionne mes X également, juste pour vous montrer à quoi ressemblent un petit peu les résultats. Donc, vous avez également 5 variables X maximum. Donc, soit vous en choisissez jusqu'à 5 continue, soit vous pouvez en choisir 4 maximum continu plus une de catégorie. Donc voilà comment ça marche. Donc c'est 5 au total. Donc à voir après en fonction de la combinaison entre ces deux champs-là. Donc là, j'en ai pas de catégorie, donc je ne l'utilise pas. Et puis vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ajuster des interactions de facteurs et les termes quadratiques. Sous réserve, bien sûr, que vous ayez suffisamment d'essais pour prendre en compte justement ces notions de degré de liberté qui permettent de tester tous les différents paramètres. D'accord ? Donc alors, je ne vais pas le cocher ici pour faire simple, mais on pourrait les tester ces termes-là. Et si je fais l'analyse, vous allez avoir dans Minitab des rapports qui vont vous aider à interpréter les résultats. Parce que l'intérêt, c'est aussi de comprendre comment on va lire ces résultats et comprendre comment on va modéliser cette réponse. Donc vous avez des rapports qui vont être émis pour vous donner des indications sur à quoi il faut faire attention quand on utilise cet outil. Donc par exemple, sur la quantité de données, sur l'éventuelle existence de valeurs aberrantes, sur une notion de normalité. Donc vous avez un code de couleur avec des icônes qui vous aident à visualiser un petit peu si une condition est respectée ou pas. D'accord ? Ensuite, vous avez également donc, des rapports comme celui-ci qui vous aident à comprendre les étapes que Minitab a suivies dans le cadre de l'assistant pour choisir les termes retenus au final dans ce modèle et comment ils vont contribuer à expliquer la variation associée donc, à ma réponse. D'accord ? Donc, exprimée sous forme de R carré, par exemple. Et on va aussi retrouver ensuite, à travers ce graphique, une visualisation des termes qui sont retenus dans le modèle. Et ça reprend un petit peu ce qui est utilisé dans les graphiques des effets principaux de la régression ou des plans d'expérience, puisque maintenant, on vous dit, un arrière-plan gris représente une variable X qui ne figure pas dans le modèle, parce que statistiquement, elle n'est pas significative. Donc, ce que l'on va retenir au final dans le modèle, ce sont les variables dont le fond, en fait, l'arrière-plan est en blanc. Donc au final, visuellement, on arrive bien à voir que ces deux termes-là vont faire réagir la réponse de façon statistiquement significative, même si sur le graphique, on ne vous le dit pas, ici.
mais les deux termes qui sont ici ne sont pas partie intégrante du modèle, partie prenante du modèle. Donc ça veut dire que ces deux-là, on va les éliminer. D'accord ? Et puis vous avez ensuite la part de variation expliquée par le modèle qui est retranscrite sous la forme d'une échelle de couleurs. Donc on a essayé d'ajouter ces échelles de couleurs pour vous aider dans l'idée qu'on doit visualiser vers quoi on doit tendre et qu'est-ce qui nous importe par rapport à l'analyse. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des R carrés, etc., mais ça permet de comprendre que l'intérêt, c'est d'expliquer le plus de variations possibles dans le modèle. Et plus mon curseur va se situer à droite, et meilleur ce sera. Et à partir de là, donc, ça vous donne des informations pour arriver à comprendre qu'est-ce qu'on peut exploiter par rapport à l'analyse de cette régression multiple. Et puis il y avait un dernier rapport ici qui permet de travailler sur la notion de valeur résiduelle. Donc ce qui est intéressant avec ce type de représentation, c'est qu'on a essayé de rajouter également des petits pictogrammes à droite, en jaune, qui vous donnent un petit peu des indications sur le type de schéma qu'on cherche à identifier. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de valeur résiduelle pour valider le modèle, etc. Mais qu'est-ce qu'on cherche au fond à identifier avec ces outils ? Eh bien, ce sont des schémas typiques de variation qui permettent d'expliquer certaines choses au niveau du procédé, qui vont nous permettre, comme l'ont dit certaines personnes depuis ce matin, de poser les bonnes questions par rapport à la variation associée au procédé. Et en se posant les bonnes questions derrière, on va pouvoir peut-être dérouler d'autres outils, d'autres analyses statistiques qui vont nous permettre d'aller plus loin si la qualité du modèle n'est pas satisfaisante par rapport à l'objectif que l'on fixe au départ aussi. Donc il y a tout cet aspect-là qui est pris en compte dans l'assistant. Alors, pas entièrement, pas dans sa totalité, mais ça vous donne en tout cas les premiers pas pour comprendre un petit peu comment faire cette démarche-là. Et j'ajouterai un dernier point pour terminer, via l'assistant, c'est qu'on a aussi ajouté la notion de plan d'expérience, puisqu'on est autour de la thématique. Donc je rebondis sur votre question tout à l'heure pour identifier les paramètres, les X, tout simplement au départ. Donc dans les plans d'expérience, on a utilisé en fait une partie des plans d'expérience qui sont disponibles dans le menu stats classiquement. Et on a utilisé notamment des plans de filtrage qui permettent justement d'identifier les facteurs que l'on doit utiliser au départ pour construire un plan d'expérience. Donc en amont du plan d'expérience, on va faire un brainstorming par exemple pour définir une liste de facteurs candidats. On ne sait pas forcément quels sont ceux qui vont véritablement influer. Et on a des plans d'expérience qui existent pour faire ce travail-là, qui permettent de travailler uniquement sur l'identification des X que je vais utiliser ensuite dans un plan d'expérience qui me permettra ensuite de construire une modélisation. Donc c'est l'idée que l'on a suivie dans l'assistant. Et vous avez à chaque fois un petit arbre de décision qui vous aide à illustrer la démarche. Donc vous avez ici l'objectif, c'est soit de cribler, c'est-à-dire réduire la liste des X candidats à un nombre limité. Et via l'assistant, vous pouvez voir ici qu'on a soit, si je me mets ici en haut, 6 à 15 facteurs. Donc encore une fois, on peut le faire avec plus de facteurs, mais dans l'assistant, l'objectif, c'est de limiter. Encore une fois, l'utilisation par rapport à des choses peut-être trop compliquées au départ. Donc déjà, avec 15 facteurs, c'est quand même, ça peut être très compliqué déjà, avec cette limite-là. Donc ensuite, on va construire le plan de criblage qui va se focaliser uniquement sur l'identification de ces X. Et à partir de là, dès que vous allez arriver à réduire le nombre de facteurs jusqu'à 5 au plus, vous allez pouvoir passer à une modélisation. D'accord ? Et donc là, le temps me manque, mais si jamais on arrive à construire une modélisation, derrière, il est possible, ensuite, c'est l'intérêt de la démarche, quand vous construisez le plan d'Harmonita, vous l'analysez, vous arrivez de 2 à 5 facteurs, vous arrivez à le modéliser. Si vous arrivez à identifier, par exemple, qu'il existe une courbure, l'assistant pourra vous permettre de construire la surface de réponse qui permettra de rechercher la solution optimale par rapport à cette surface de réponse. Donc ça se fait en 3 étapes. Identifier les X prépondérants, modéliser les X que l'on va retenir au final, qui seront compris entre 2 et 5 facteurs maximum. Et ensuite, si on arrive à trouver le point d'inflexion de la réponse par rapport à tel ou tel X, on va pouvoir modéliser la surface de réponse et trouver la solution optimale. Donc il y a bien sûr, par rapport à ces outils, toute une série d'explications qui existent dans l'assistant, qui vont vous donner justement les informations à prendre en compte pour arriver à comprendre qu'est-ce que l'on cherche à faire. Donc par exemple, dans une opération de criblage, on vous dit d'identifier les facteurs, de définir le niveau des facteurs, déterminer l'effectif d'échantillon approprié, d'obtenir l'approbation des parties prenantes, et à partir de là, de construire votre matrice d'essai. Donc c'est des aides que vous avez à disposition
Donc après, pour les différents niveaux d'utilisation des personnes qui sont ici aujourd'hui, vous avez, je dirais, la possibilité d'utiliser soit l'assistant qui permettra de prendre en main un petit peu ces outils-là et de comprendre un petit peu ce que l'on doit faire pour, au préalable, pendant et après l'exécution d'un plan d'expérience, ou alors, pour celui qui connaît et qui utilise régulièrement, de pouvoir exploiter des options un peu plus avancées qui permettent de contourner un petit peu certaines difficultés liées à l'aspect physique et pratique et aux contraintes que vous rencontrez forcément tous les jours au cœur de vos procédés. Je vais m'arrêter là, et puis s'il y a des questions, ben, elles sont les bienvenues, soit maintenant ou après, pendant la pause, comme vous voulez. Merci à tous.